Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver ce matin pour cette méditation avec Divine. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour arriver, pour me rejoindre. Coucou Cécile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Coucou Isabelle, Hélène. Alors, je vois pas tout le monde. Agnès, Mélina, Véronique, Marie-Christine, Patricia, Laurent, Georges et Geneviève, Cécile. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour tous ces cœurs. Heureuse de vous retrouver ce matin. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Isabelle. C'est aujourd'hui. Voilà, merveilleuse Isabelle, on te souhaite une merveilleuse journée, une divine journée. Et déjà, on commence voilà, ensemble, connectés de cœur à cœur, dans cette belle énergie. Bonjour à tous, Sandrine, Patricia, Yvette. Merci d'être là. J'ai eu envie ce matin et du coup, j'ai lancé l'appel. Vous êtes là, soit en live, soit en replay. Mais le principal, c'est qu'on se connecte ensemble. Voilà, j'ai eu quelques jours d'intériorisation. Hein, j'étais très peu sur les réseaux sociaux. Vous avez dû peut-être vous en rendre compte ou pas. Mais voilà, besoin de me reconnecter à moi, de faire une pause. Et me voilà de retour en énergie, en joie et très heureuse de vous retrouver. Voilà. Donc, merci infiniment d'être là. Alors, peut-être que en ce moment, hein, oui, les énergies, tout ce qui se passe autour, votre environnement, ben, c'est chahuté. Hein, donc, c'est réussir à garder cet alignement, cette cohérence à l'intérieur de vous, au milieu de ce chaos. Hein, trouver votre centre et le centre, en fait, il est dans notre cœur. Donc, c'est aussi pour ça, ces rendez-vous, c'est qu'on se connecte ensemble, bien évidemment, hein, puisque la puissance du groupe, c'est puissant. Cette énergie est extrêmement puissante. Mais c'est aussi pour trouver notre centre, hein, notre centre, et ensuite le partager avec les autres. C'est très important au milieu de... Voilà, hein, de cette tornade, de ce chaos, de garder son centre, sa paix intérieure, sa joie aussi, hein, sa lumière, son énergie. Mais voilà, parfois on passe des creux, hein, les creux de la vague. C'est normal, c'est naturel, mais pour ensuite voilà, avoir le pic de la vague, le haut de la vague. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent. Coucou Julien, mon filleul, merci d'être là. Et bonne année à toi. Écoute, en direct live, voilà, je te souhaite une merveilleuse année. Julien est un de mes rayons de soleil depuis qu'il est né. Et je le remercie d'être là pour ce moment de connexion entre amis. Merci à tous d'être là. Alors, on va commencer la méditation. Trouvez votre petit coin, hein, essayez d'avoir votre espace de calme, de silence, de ne pas être dérangé. Et puis, trouvez voilà, une position confortable, un petit coussin ou une chaise, comme vous voulez. Et puis, on va commencer. Merci à vous tous d'être là, ce moment impromptu comme ça, mais finalement, hein, quand on doit se retrouver, quand il y a des rencontres qui doivent se faire, on est là. Et puis que ce soit en live ou en replay, l'énergie est la même, tout aussi puissante. Donc merci infiniment à vous tous de partager ce moment. Allez, je vous invite à trouver votre position, à fermer les yeux. Et à commencer par prendre, voilà, tout simplement, quelques respirations naturelles, juste en étant conscient de sa respiration. De trouver déjà
le calme, la paix à l'intérieur de vous. À chaque inspiration, vous inspirez le calme. Vous inspirez le calme et vous vous connectez au soleil au-dessus de votre tête, très loin au-dessus de votre tête. Vous inspirez et vous vous connectez à cette puissance, cette puissante lumière du soleil que vous ramenez en douceur dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et cette lumière qui se diffuse dans tout votre corps à votre rythme va descendre profondément dans la terre pour sentir votre ancrage par le coccyx, par le périnée ou par vos pieds posés au sol. Et vous descendez profondément vers la terre sur l'expiration. Pour vous connecter au cœur de la terre, un cœur cristallin, à notre chère terre Gaïa. Et à l'inspiration, vous remontez cette énergie de la terre dans tout votre corps et par le point le plus haut de votre tête, vous allez capter l'énergie du soleil. Très loin. Ce soleil, c'est votre soleil, c'est votre âme. Et vous ramenez avec vous cette lumière dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et à l'expire, vous descendez cette lumière profondément dans la terre. Dans le cœur cristallin de la terre. Pour sentir cet ancrage et ramener la lumière dans vos ombres, dans vos racines. Pour vous sentir parfaitement aligné dans votre corps, entre le ciel et la terre, entre le soleil et la terre. La terre est cette énergie féminine et le soleil, cette énergie masculine. Et nous avons tous en nous, que nous soyons hommes ou femmes, ce mélange d'énergie féminine et masculine. Et là, ces deux énergies vont venir se superposer au niveau de votre cœur, de votre chakra cœur. Pour ressentir votre présence. Ramenez ce calme. On dit que voilà l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de vous vous permet d'ouvrir votre cœur. Et d'être dans cette pleine présence. Cette présence à vous-même, à la partie la plus profonde de vous. Ça vous permet d'atteindre le silence du mental. Sentez
en conscience que votre cœur s'ouvre pleinement et rayonne tout autour de lui pour vous permettre de vous connecter à votre cœur, à votre âme, à la partie la plus lumineuse, la plus consciente de vous-même. Pour garder votre alignement entre le ciel et la terre. Trouvez votre centre au niveau de votre cœur. Sentez, voilà, que votre respiration se pose, se ralentit et qu'une paix intérieure s'installe en vous. Une fois qu'on a trouvé notre centre, eh bien nous allons partager avec notre cercle. Vous pouvez sentir la présence de chacun, de chacune autour de vous, dans un cercle immense où on retrouve sa famille d'âme. Et on se connecte ensemble, de cœur à cœur, pour rayonner l'amour, la lumière, la paix. Dans cet alignement entre le ciel et la terre, entre le soleil et la terre, sentez que vous êtes un canal de lumière. Sentez à quel point vous rayonnez en vous, et tout autour de vous, et que notre cercle est rempli de ces canaux de lumière. Toujours connecté à votre respiration. Et cette énergie qui se diffuse dans tout votre corps, qui monte de votre coccyx jusqu'en haut de votre tête et qui descend de votre tête à votre coccyx. Dans une fluidité. Et tout ce qui doit disparaître, lâcher, ça se fait naturellement maintenant. Sentez la puissance de notre groupe. Et vous allez imaginer une âme à votre gauche, une âme à votre droite. Et on va tous se donner la main. La main gauche tournée vers le ciel, la main droite tournée vers la terre. Vous allez regarder à votre gauche, tenir la main de la personne qui est à votre gauche, la regarder dans les yeux. Et par cette main gauche, vous envoyez de l'amour. De l'amour inconditionnel, véritable, pur. Et cette énergie va circuler dans tout le cercle par la gauche. Et vous allez regarder la personne qui est à votre droite, dans les yeux. La remercier. Et par votre main droite, recevoir cet amour qui a circulé dans tout notre cercle
et qui vous arrivent maintenant, amplifiées. Et vous allez regarder dans les yeux, tout ça connecté à votre intuition, bien évidemment. Chaque personne du cercle, peut-être certaines que vous connaissez, d'autres non. Et par le geste namasté, voilà, de remercier. Je vois le divin en toi et je te remercie d'avoir accepté de recevoir cet amour inconditionnel. Et je te remercie de m'avoir donné cet amour inconditionnel que je reçois. Sentez cette vibration d'amour. Qui circule dans tout votre corps, dans votre cœur. Un sourire sur votre visage. La joie qui rentre à l'intérieur de vous. La joie de pouvoir donner de l'amour et en recevoir, et que ça puisse se faire à l'infini, comme une fontaine intarissable qui s'amplifie à chaque passage. Chaque personne présente ou en replay reçoit cet amour et peut le donner à son tour. Nous sommes ensemble. Sentez cette force qui nous lie quand on se tient comme ça par les mains et qu'on fait circuler l'amour. Peu importe le chaos, peu importe la tempête, nous sommes là, solides, ancrés, confiants dans cette foi. Et au-dessus de notre cercle, un canal de lumière. Cette lumière qui est remplie, sentez-la cette lumière. De joie, de guérison, de paix, de gratitude, d'amour, comme une pluie de pétales de rose blanche qui tombe sur nous, une pluie d'étoiles qui rentre à l'intérieur de notre corps physique, mais qui remplit aussi tous nos corps énergétiques. Ensemble, de cœur à cœur, nous sommes invincibles. Peu importe la vague, nous surfons ensemble. Autorisez-vous à lâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui ne sert pas à la lumière et l'amour doit être libéré maintenant. Pour vous sentir léger, légère, pure. Libérez-vous, faites-vous ce cadeau de lâcher, lâcher prise. Ça peut demander de faire certains deuils.
Ça demande du détachement, une foi. Sentez la présence de vos guides, de nos guides autour de nous, ces êtres de lumière qui nous accompagnent, nous chérissent. Sentez-vous porté, guidé. Et dans ce moment de bénédiction que nous sommes en train de recevoir, de pouvoir revenir à vous. Puisque tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Alors vous donnez-vous beaucoup d'amour. De l'amour, de la gratitude. Reconnaissez toutes les belles valeurs. Toutes les qualités, les dons qui sont en vous. Soyez fiers de qui vous êtes et autorisez-vous à rayonner votre puissance, votre unicité, vos talents, vos couleurs, votre lumière. Permettez-vous. Autorisez-vous à rayonner pleinement. Et prenez de la hauteur sur vous, sur votre vie. Sortez de l'illusion du mental pour vous connecter à votre âme, à votre moi profond. À votre soi supérieur, cette partie de vous qui sait tout. Et recevez ces bénédictions pour ouvrir encore plus votre cœur. Nous avons fait le choix de nous incarner sur Terre à ce moment très précis de l'ascension planétaire, de cet éveil. Alors reconnectons-nous à notre puissance. Et rayonnons de qui nous sommes vraiment. Nous sommes là sur Terre pour goûter à l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour de soi et des autres, l'amour de notre Terre-Mère, l'amour de tout ce qui vit, l'amour de la vie, pour expérimenter l'amour. Nous sommes amour. Nous sommes issus de cette source d'amour et de lumière. Et nous avons cette illusion que nous sommes séparés. Mais nous sommes un. Nous sommes l'unité. Nous faisons juste l'expérience de la séparation pour goûter à encore plus d'amour. L'amour est le guérisseur. L'amour est la réponse à tout.
L'amour est tout ce qui existe. L'amour est notre antidote. Remplissez-vous de cet amour. Posez une main sur votre cœur. Et engagez-vous tout simplement envers vous-même. À écouter la voix de votre cœur à chaque instant. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, choisissez le chemin du cœur, le chemin de l'amour. Et sentez cette connexion de cœur à cœur entre nous. Nous sommes là ensemble pour participer, chacun à sa place, à cet éveil planétaire, à cet éveil des consciences, à ce que l'amour rayonne autour de nous et en nous. Vous allez, voilà, vous laisser porter par la musique, par l'énergie. Et à votre rythme, bougez un peu votre corps. Vous étirez, bâillez et ouvrir les yeux à votre rythme. Laissez l'énergie danser en vous. Connectez à votre cœur. Merci infiniment d'avoir été là. Que ce soit en live ou en replay, on est là ensemble de cœur à cœur. Merci infiniment. On est là ensemble. N'en doutez jamais. Merci. Merci. Une pluie de cœur pour vous. Merci. Merci. Je vous aime. Je nous aime. Une gratitude infinie pour chaque âme, chaque ami présent, présente aujourd'hui. Un merveilleux anniversaire à toi, Isabelle. Que cette journée soit l'énergie de toute ton année. Et tu vois, on est ensemble. Waouh, merci. Merci. Même quand je ne suis pas, voilà, présente sur les réseaux sociaux, je suis là, présente. Et vous êtes là, dans mon cœur. On est toujours connectés, tout le temps. J'ai vu le mot renaissance passer. C'est une renaissance pour moi. Et je nous souhaite à tous cette année de renaissance, d'amour. De pouvoir être dans cette gratitude, dans cette joie. De se reconnaître aussi pour qui l'on est. C'est Dieu, c'est déesse. Ces êtres divins
Waouh. Je vais finir par celle-ci. Alors, je vais tirer des cartes. Et d'ailleurs, oui, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'offrir un oracle souffle de vie. Alors, ben, vous allez donner des chiffres, entre, enfin un chiffre, entre 1 et 44. Et puis celui qui se rapprochera, celui ou celle qui se rapprochera le plus près de la carte que je vais tirer, eh bien, gagnera l'oracle souffle de vie. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont déjà, eh bien, vous l'offrirez à quelqu'un si vous l'avez déjà. Et aujourd'hui, j'offre aussi à Isabelle, pour son anniversaire, une séance avec moi, une méditation individuelle. C'est mon cadeau de cœur pour toi, Isabelle, quand tu en ressentiras le besoin. Alors, je vous laisse mettre les chiffres entre 1 et 44, ça y est. Alors, donc il y a deux cartes qui sont tombées, mais ce sera par rapport à la première carte. Donc moi, je cache le chiffre. Il y en a qui le connaissent, mais... Donc, voilà, c'est cette belle carte. Vous voyez ce chemin doré qui nous mène à la lumière. Je vous la lis. C'est la carte Ose. Alors, la vie t'invite à sortir de ta zone de confort. Sauras-tu accepter cette nouvelle aventure? Écoute ton cœur. Il connaît le chemin. Peut-être que tu as des peurs. Sache que c'est normal. Ose, au-delà des turbulences, il y a la magie. Elle est là pour rallumer les étoiles dans tes yeux. Ose, ose emprunter, pas après pas, pôle épaulé, un pas à la fois. Ose emprunter ce chemin vers la lumière, vers ta lumière. Voilà, donc c'est la carte numéro 8. Donc je vais regarder, j'ai vu que quelqu'un avait mis le chiffre 10, mais peut-être qu'il y a des encore plus près. Il y a le 9, Agnès. Je remonte. Ah ben c'est Cécile, le numéro 8, Cécile Précio. Voilà, Cécile, eh bien, l'oracle souffle de vie est pour toi. Voilà, il me semble que tu l'as déjà, donc tu feras un cadeau. Hein. Et puis, la deuxième carte, c'est vraiment les premières cartes que j'ai faites, Ose et Accueil. Et il y avait M aussi, puisque c'était... au moment de ma conférence Accueil M Ose, les trois premières cartes. Donc, la carte Accueil. Tout a sa raison d'être dans ce que tu vis en ce moment. Prends de la hauteur et accueille la vie pleinement. Ne cherche pas à la contrôler, ne cherche pas à la fuir. Prends le temps de te poser et de respirer en conscience. Accueille et laisse-toi aller dans le flot de la vie. Voilà. Voilà. Accueille, ose, bon, je dirais aime aussi. Hein. On en a parlé tout au long de la méditation. Je vais vous la lire aussi, la carte aime. Donc voilà, est-ce que ça vous parle, ces beaux messages ? Accueil, aime, ose.
Je la cherche. Voilà, la carte M. Avec le beau cœur. Comme je vous fais tout le temps avec les doigts, avec les mains. M. Tu es un être merveilleux. La vie te demande de t'aimer tel que tu es, avec tes qualités, tes talents, mais aussi tes imperfections. Tu es un être complet, ne l'oublie pas. Il ne te manque rien. Aime-toi entièrement et inconditionnellement. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi dans les yeux, je m'aime et je suis fière de moi. Voilà les trois beaux messages pour aujourd'hui. Accueille, accueille ce que la vie met sur ton chemin, quoi qu'il se passe. Si tu as des peurs, c'est normal, t'inquiète pas, accueille, on est là ensemble. Aime, aime-toi, aime les autres, aime la vie. Et ose, ose être pleinement toi-même et ose, voilà, arpenter ce chemin, un pas après l'autre, vers la lumière, vers ta lumière, vers cet être divin que tu es déjà. Il n'y a rien besoin d'aller chercher à l'extérieur, tout est déjà là à l'intérieur de toi. Tu as juste à te rappeler qui tu es vraiment. Voilà, on est sur le chemin vers la lumière, ça y est. On l'a déjà entamé ce chemin, hein, on est déjà sur ce chemin. Donc voilà, merci et bravo à tous d'avoir participé. Encore un joyeux anniversaire à toi Isabelle, bravo à toi Céline. Et oui, donc Céline, envoie-moi ton adresse ou l'adresse à qui tu veux l'envoyer. Et je me ferai une joie d'envoyer cet oracle souffle de vie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui le voudraient, j'en ai encore. Donc, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Et soit on se voit pour que je vous le remette, soit je vous l'envoie. Il est aussi disponible à la librairie Pégase, pour ceux qui sont de Bordeaux. Librairie Pégase, à Théamaga, ça c'est autre chose. Théora, la boutique Théora à Mérignac. Et Universel, voilà, mes amis à Universel, à Martignas. Voilà. Donc, je vous embrasse fort. Je vais tirer d'autres cartes. Merci infiniment, c'était un très beau moment. Le Théora, voilà, merci de m'aider. Théora. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui? Ah, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Ça parle beaucoup d'amour et de cœur, hein, aujourd'hui. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh ! Magnifique, la chanson du cœur. Ta vérité est dans le silence de ton mental. Hein, ta vérité est dans l'amour. La vérité est dans ta pleine présence. Voilà la chanson du cœur. Donc, je vous souhaite de chanter à tue-tête cette chanson du cœur, d'être dans la joie, de rallumer le plus possible cette flamme de joie. Et la chanson du cœur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour se mettre en énergie, qui pourrait nous faire danser Qu'est-ce que j'ai vu là? On va se mettre, voilà, un petit... Vous la connaissez peut-être pas, mais ça donne envie de danser. Donc la chanson du cœur, soyez dans votre vérité. Votre vérité est éternelle. Et rallumez la joie à l'intérieur de vous. Mettez-vous en mouvement.
danser. Véronique, eh ben oui, tu verras la méditation en replay. Tu arrives au bon moment, c'est le moment de la chanson du cœur et de danser. Merci à vous tous, je vais prendre le temps de lire vos messages, j'ai pas eu le temps. Merci, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. De gros câlins. Et voilà. Accueil, aime et ose. Merci. Dansez sous le soleil. Pour ceux qui ça intéresse, ça s'appelle souder. Dansez, faites venir la joie en vous. Je vais mettre un peu plus fort, j'espère que Facebook ne coupera pas. De toute façon, on est à la fin. Et je vous envoie une pluie d'amour et de paix. Merci infiniment. Je pense que je vais refaire une méditation demain. Il y a un portail énergétique, le 11-1. Je vous dirai simplement l'horaire dans la journée, enfin aujourd'hui, pour demain. Merci infiniment d'avoir été là, je vous envoie plein d'amour. Dansez la vie, faites bouger la vie à l'intérieur de vous. Même si vous êtes en contraction en ce moment, le fait de se remettre en mouvement. Et souvenez-vous, vous êtes un canal de lumière. On a besoin de vous. Il y a Divine qui fait dodo. Elle vous embrasse, elle aussi. Merci infiniment. Je vous aime, je vous souhaite un merveilleux dimanche, de vibrer l'amour, la paix, la joie. Et souvenez-vous, on est tous connectés en cercle, de cœur à cœur. À demain pour ceux et celles qui pourront. Beau dimanche. Merci à vous tous d'avoir été là. Rayons de soleil, vous êtes le soleil. Je vous aime.